Alors, tu as sans doute eu dans ton parcours une panne d'envie, puisque tu as eu un premier début de vie en entreprise plus classique, et puis après, tu as changé, tu as entamé une quête de conscience, hein, sur la voie de la conscience et le fonctionnement de l'âme, comme tu nous l'as dit. Ta vocation est de nous aider à retrouver l'envie, et d'aider sans doute toutes les personnes que tu côtoies à retrouver cette envie. Même question que pour Olivier, j'avais envie de connaître ton acception de l'envie. Qu'est-ce que signifie pour toi ce concept ? Quand on prend quelques secondes, voilà, juste pour écouter ce que ça veut dire que l'envie, et comme Olivier l'a pas mal souligné, on peut entendre l'envie en fait comme quelque chose de positif et négatif. Donc on a souligné effectivement le fait que ça peut être lié à un désir et tout ce qu'il y a derrière comme frustration, manque, etc. Et il y a tout le côté, donc Olivier, voilà, et sur lequel il s'est basé, plus dans le sens de cette envie, ce qui est porteur de joie, ce qui, voilà, cette motivation intrinsèque et comment je la manifeste à l'extérieur. Ce qui est chouette avec l'envie, c'est qu'effectivement, si on se pose un tout petit peu, on entend qu'envie, c'est un mot, envie, et en vie. Et c'est bien là, en fait, que au fur et à mesure, on va être confronté aux différents stades, j'allais dire, d'évolution, on va être confronté en permanence à ces deux notions d'envie. Alors, je m'explique, parce que ce mot-là, envie, porte en lui-même la dualité, mais comme tous les mots, hein, qui peuvent être de polarité positive ou négative. Si je prends l'exemple tout simple, voilà un nouveau-né qui arrive et donc qui est en vie, donc qui incarne la vie. Évidemment, j'allais dire, il est tout neuf, c'est le corps physique qui est là, et bien sûr, autre chose, après en fonction de ses croyances aussi. Mais quelque part, cet enfant, il est complètement dépendant, et il y a tout ce côté nourricier, hein, au départ. Mais je pense que vous avez tous déjà vu un enfant, un bébé qui découvre sa main pour la première fois. Être en vie, c'est ça, c'est découvrir la vie, hein, l'incarner. Et donc tout ce départ, c'est déjà comment j'accepte d'être en vie, comment je rentre dans la vie, dans l'incarnation quelque part, et comment je suis dans cet état, et j'en reparlerai après, cet état d'émerveillement. C'est-à-dire on découvre tout pour la première fois. C'est quelque chose qu'on va aller chercher tout au long de notre vie aussi, retrouver ce moment d'inattendu, de surprise, quelque chose qui suscite un pétillement dedans, qui nous fait nous arrêter tout d'un coup, qui fait battre le cœur, qui met en branle un tas d'émotions à l'intérieur, et l'envie est complète, ça on y reviendra peut-être aussi plus tard, quand tout ça s'aligne sur tous les niveaux, au niveau de tous les corps. J'entends là aussi d'être nourri au niveau de l'esprit, qui va être relié après à la question du sens dont Olivier a parlé aussi tout à l'heure. Donc l'envie, on va la vivre en fait de plein de façons différentes. Donc ce nouveau-né qui arrive, c'est plutôt ce premier mot en vie. Et je découvre ou redécouvre ce qu'est la vie. Et puis après, on va avoir cette notion et souvent en développement personnel, j'allais dire, on a beaucoup recours à ça. C'est-à-dire pour aller chercher ses envies, pour aller, quand on fait un travail, alors que ce soit en bilan de compétences, reconversion professionnelle, tous ces trucs-là, on passe tout de suite par c'était quoi vos rêves quand vous étiez petit, quelles étaient vos aspirations, qu'est-ce qui vibrait. On ne se rappelle plus trop, hein, souvent, donc il y a tout un travail à faire. Après, il y a plein de techniques pour ça. Mais il y a une différence quand même, et je trouvais très juste la façon dont tu l'as abordé, Olivier, tout à l'heure. Il y a une différence quand même entre le rêve et l'envie. C'est bien beau d'avoir des rêves, mais en même temps, qu'est-ce qui fait aussi que ça nous meut et l'envie ? Le rêve, c'est impalpable encore. C'est au niveau de l'esprit, voire du mental quand ça descend un peu plus. Mais de là à ce que ça nous empoigne, ça vibre à l'intérieur du corps et qu'on passe à la phase d'action, il ne peut jamais rien se passer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas assez d'envie pour réaliser le rêve, quelque part. Donc l'envie, c'est aussi un peu, on le verra après peut-être aussi, l'envie, ça peut être relié aussi aux souhaits, et des souhaits qui ne rentrent jamais dans l'action. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit, hein. D'ailleurs, tu m'avais conseillé un livre, et j'ai oublié de parler du tien, hein, qui est passionnant, Passeur d'âme, qui est sorti en 2021, que je vous conseille, où justement, tu parles beaucoup de la dualité de tous ces mots. Mais puisque tu parles
de cette comparaison, ce rêve inatteignable et de l'intérêt d'être dans quelque chose qui est plus proche de nous pour révéler l'envie, on va quand même explorer le côté obscur de l'envie sous sa forme de péché capital. Quel mécanisme rentre en jeu? Comment on le vit? Quelles émotions? Comment on peut aussi rebondir par rapport à cette hostilité, cette jalousie, parfois cette haine? Alors, du coup, il y a beaucoup de concepts oui. Du coup, là-dedans. Effectivement, après, ça dépend comment on entend le mot envie, finalement. Et si je peux, du coup, revenir au développement, c'est-à-dire, tout à l'heure, je disais, voilà, quand on est enfant, on est très lié au rêve, en tout cas. Et c'est là aussi que le corps émotionnel donc, voilà, va commencer à bien travailler. C'est lié, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, au fait d'être émerveillé, de découvrir. Et un enfant, il est dans l'instant présent. Et nous, en tant qu'adultes, la plupart du temps, ben, on fait que naviguer sur des pôles. C'est-à-dire on est soit dans le futur, soit dans le passé, soit dans l'autre, tout le temps dans l'autre, ou soit dans le petit moi. Hein, moi, ma vie, mon œuvre, mon histoire. Et on est rarement au centre, c'est-à-dire dans le présent, dans ce qui est en train de se passer au moment même où ça se passe. Et l'enfant, lui, ça, on l'a tous vécu, hein, un enfant dans la voiture, c'est bon, on est arrivé. Ou si vous avez prévu d'aller à la piscine samedi, mais tous les jours, c'est samedi, en fait. Ça y est, c'est samedi. Nous, on a cette capacité à être constamment dans... Enfin, pour beaucoup, en tout cas, et c'est ce qu'on nous demande aussi souvent en entreprise, d'être toujours dans l'anticipation de qu'est-ce qui va se passer après, on en perd le fil. Et en fait, ce qui est au centre de l'envie, enfin, il me semble, et ce qui est important aussi, qui se définit là pendant l'enfance, et qu'on essaye de retrouver adulte, c'est de revenir vraiment dans le flow. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant ? C'est-à-dire retrouver l'envie, enfin voilà, on le verra peut-être encore après, mais cette envie, en fait, c'est on peut la contacter quand on est calme, quand on est capable d'être à nouveau en réceptivité et pas tout le temps en action, en réflexion ou en réaction, là, au niveau des émotions, mais juste quand on prend ce temps, voilà, d'accueil, de réceptivité, pour pouvoir écouter à nouveau quel est le rythme, quel est évidemment mon propre rythme, que ce soit au niveau de mon corps, de mes aspirations. Et ça présuppose aussi qu'on se pose des vraies questions, en tout cas en termes de sens. Donc c'est retrouver cet état-là. Et un enfant, souvent, dans l'instant, il dit, tiens, j'ai envie de ça, il fait ça. J'ai envie de ça. Bon, après, il y a des règles, hein, bien évidemment. Mais il n'y a pas encore tous ces conditionnements qui sont posés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est à partir de ce moment-là aussi dans l'enfance où on commence à voir tout ce qui va être lié au côté plus... Alors, que tu as appelé malin, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, en polarité maligne, plus voilà, négative. Dans la littérature, en fait, il y a l'envie bénigne, peut-être celle voilà. d'Olivier, l'envie maligne, ligne. La jalousie. Et donc, plus dans ce côté-là où, eh bien, évidemment, même si l'enfant est encore très centré sur lui, il est entouré de tous les autres et commence quand même assez tôt, de par souvent l'éducation, mais la comparaison, hein, ce fameux mot exceptionnel que je définis souvent par être comparaison. Et c'est bien dommage d'utiliser son intelligence pour ça. C'est les premiers pas, en fait, où on va commencer par rapport à l'autre à essayer à vouloir s'approprier, c'est-à-dire qu'on voit souvent les enfants, je veux ça. Il veut le truc de l'autre, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on va garder encore à l'état adulte, alors de façon beaucoup plus polissée, de façon beaucoup plus masquée, mais toujours voilà, d'être donc dans ce côté envieux, dans le verbe d'avoir envie, qui dans va... Dans le côté d'envier. Oui, dans le côté, mais c'est pour ça qu'on peut entendre deux choses. C'est envier quelqu'un, c'est pas pareil qu'avoir envie. Ça sonne pas tout à fait de la même façon. Et dans ce côté-là, donc, soit d'envier le bonheur, soit d'envier des possessions, soit d'envier des qualités, comme tu le soulignais tout à l'heure. Et là, il y a tout le mécanisme des émotions qui rentre en ligne de compte. Toi, à titre personnel, quand tu ressens la piqûre de l'envie, évidemment, tu dois certainement la conscientiser, puisque tu as une grande sagesse, mais comment tu la comprends, comment tu l'analyses, comment tu la transformes peut-être, puisque elle est motrice de l'après, d'une construction ou d'une négation de cette envie. Comment ça se passe pour toi ? Alors, effectivement, en tout cas, voilà, à titre personnel, pour moi, l'envie, c'est la qualité essentielle d'une certaine façon, une des qualités essentielles, c'est-à-dire que
ce qui va pouvoir me mouvoir, donc qui va mettre en branle et mes émotions, mon corps, dans mon désir d'action, mes émotions, et puis surtout la question du sens. Évidemment, à chaque fois, je vais me poser la question, je fais, est-ce que ça me nourrit profondément ? Ou avoir la capacité de dire, quelle part de moi ça nourrit ? Bon, oui, là, techniquement, ça nourrit mon corps. Là, ça nourrit mes émotions, dans l'affect, je me sens bien. Et comme tout à chacun, et comme il a été souligné, évidemment, quelque chose qui est extrêmement important pour moi, c'est quel est le temps que je consacre, à être véritablement dans l'échange et dans le partage avec les autres. C'est pas tant ce que je fais, c'est le plaisir d'être avec. Et donc de changer de réalité, c'est-à-dire, j'aime bien dire que réalité, c'est l'anagramme d'altérité. Et cette notion d'altérité, c'est comment véritablement être en présence avec l'autre. Pas contre l'autre, pas sur l'autre, pas... C'est comment je peux passer le maximum de temps à pouvoir grandir et échanger avec l'autre. Ça, c'est ma motivation et qui est relayée par l'envie. C'est-à-dire que je sens intérieurement... Alors, moi, je suis plus dans le côté émotionnel, dans le sens où je ressens avec mon corps beaucoup, si ça vibre, si j'ai le courant. Alors, ce n'est pas un courant froid chez moi qui passe de peur, mais c'est plutôt, un petit frétillement intérieurement qui se passe vraiment là, au niveau de l'espace du cœur. Est-ce qu'il est compliqué de parler d'envie maligne pour toi ? Non, c'est pas compliqué du tout, mais après, je pense qu'il faut juste remettre les choses à leur place, dans le sens où, moi j'ai une vision qui n'est que la mienne et qui n'est que ma vérité, mais en tout cas, dans mon expérience, tout ce qui serait lié, à l'envie plutôt maligne, c'est tout ce qui va être de l'ordre, sans y porter de jugement, bien évidemment, mais c'est tout ce qui va être encore de l'ordre de l'ego, dans le sens... tout ce qui va être lié aux pulsions, aux désirs, et qui est un cercle sans fin, vicieux, parce que là, on est dans l'ordre, effectivement, de la frustration, du besoin. Enfin, ça va susciter un certain nombre d'émotions plutôt négatives. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai envie de quelque chose, je ressens une impulsion de mon corps, par exemple, alors que ça soit pour toutes les dépendances qu'il peut y avoir. Mais c'est pareil aussi au niveau émotionnel, au niveau... y a des personnes qui ne peuvent pas être seules, elles ne supportent pas d'être seules, par exemple. Ils ont besoin constamment d'aller chercher de l'énergie, d'être nourris, dans ce rappel peut-être de l'enfance, mais en tout cas, n'arrivent pas à se suffire à elles-mêmes, ou en tout cas à trouver cet amour-là à l'intérieur. Donc c'est tout ça, et ça, il y a un moment aussi quand on apprend à se connaître tranquillement, qu'on apprend à s'observer, qu'on accepte aussi d'être dans cette position de témoin et d'arrêter de coller à cette personnalité de surface, on arrive à nommer, à reconnaître, à observer en fait, où est-ce que je suis en réaction. Et quand je suis en réaction, je ne suis pas dans l'envie, parce que réaction, c'est réaction. Donc je répète indéfiniment. Donc là, dans l'ego de base, on n'est que dans la répétition de ces conditionnements. Donc on est dans le passé, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, on le fait par rapport à quelque chose qui à un moment a été engrammé. Et on va répéter indéfiniment, en fait, jusqu'à ce qu'on arrive à sortir de ça en position méta et de s'observer en tant que témoin intérieurement. Alors on va creuser aussi personnellement sur ta panne d'envie, sur ton parcours de vie, comment tu l'as... comment elle s'est révélée à toi et comment tu l'as désamorcée pour changer de chemin. Je ne vais pas du tout être originale, mais c'est la chance qu'offre la vie. C'est la confrontation à la mort aussi. Pas du tout de façon foudroyante. Elle s'est manifestée de plein de façons différentes. C'est-à-dire que j'ai eu une expérience une fois dans un train, et il y avait toute la symbolique qui allait avec, où j'étais en plein boulot, avec des heures pas possibles, être à 5h42 déjà en train de bosser sur le tableur Excel de machin pour rendre les chiffres. Je rentre dans ce train et il y a quelque chose qui fait que pendant toute la journée, je flotte entre deux. Et le soir, je rejoins quelqu'un à la gare pour rentrer donc à l'époque sur Lyon. Et qui me dit, je ne suis pas dans le même wagon que toi, viens avec moi. Et donc moi, bien dans les règles, non, c'est ma place, je ne bouge pas, etc. Et je finis par aller dans ce wagon-là quand même. Et on n'a pas fini de discuter 2-3 minutes. Devant nous, il y avait un couple qui avait l'air vraiment de bien s'entendre, en tout cas, qui était en discussion assez vive, beaucoup de joie. Et je sens quelque chose de très bizarre qui se produit en moi.
Et très peu de temps après, l'homme donc, qui était assis devant nous a fait une crise cardiaque, en fait. Et là, j'ai été en position méta, je me suis levée très rapidement, je suis allée vers cette personne, j'ai pas réfléchi, et je le dis souvent en rigolant, je lui ai attrapé l'entrecuisse, ce qui est un peu bizarre pour quelqu'un qu'on connaît pas, hein, surtout dans le train. Mais j'ai juste senti quelque chose qui était pour moi complètement irrationnel. J'ai senti vraiment un courant d'énergie, je savais ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire, et je savais que c'était important que je sois là, et j'ai pas compris en fait ce qui était en train de se passer. Et quand la personne est revenue, il y a un médecin qui est arrivé, qui m'a dit, écoutez, vous lui avez fait un massage cardiaque, qu'est-ce que vous avez fait? Et j'ai juste senti qu'il y avait une impulsion à faire. Et c'est là que j'ai compris qu'il n'y avait pas de hasard, ou en tout cas, tout le phénomène des synchronicités avait son importance. Et de voir ce couple qui était très soudé, en fait, je me suis dit, mais c'est là que ça a commencé déjà, où j'ai eu un point de me dire, mais ça peut s'arrêter juste en quelques secondes. Cet amour, cet échange peut s'arrêter en quelques secondes, et à quoi je consacre ma vie. Et très peu de temps après, il y a eu plein d'autres expériences qui m'ont mené à ça, et j'étais en pleine réunion, et à l'époque c'était sur un site internet, c'était encore tous les débuts, aujourd'hui c'est bien courant, et on était en train de débattre sur la place d'un bouton pour savoir où ça allait se mettre. Et je regardais les personnes comme ça, et il y avait le rétroprojecteur qui faisait du bruit avec le ventilateur. Et j'observais ça juste, et je voyais toute la poussière, en fait, que ça générait. Je voyais toutes ces petites graines de poussière qui étaient comme de la lumière. Et je me suis dit, mais je suis en train de faire du vent, quoi. Tout ça, c'est du vent, mais quelle importance. Et véritablement, là, j'ai senti, je me suis dit, mais à quoi je consacre mon énergie ? Est-ce que c'est à ça que j'ai envie d'œuvrer ? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de contribuer au monde ? Et c'était une évidence que non. Donc là, je me suis dit vraiment, j'ai plus envie. Et tout s'est mis en place pour que j'arrive plus à retourner travailler. Alors, comment on peut... Quel conseil peux-tu nous donner pour comprendre qu'on est en mode survie et pas en mode envie ? Déjà, il y a un courant positif. Quand on est dans l'envie, il y a des souhaits. En fait, il y a quelque chose, ça passe par le corps, il me semble. Par le corps et par les émotions, c'est-à-dire que ça, il y a quelque chose qui nous pousse en fait, à bouger, à être dans l'action. Quand on est en mode survie, il y a ce côté, comme le soulignait tout à l'heure Olivier, plutôt apathique, plutôt de... c'est gris, on sent qu'il y a un poids. Quand on est dans l'envie, il n'y a pas de poids, c'est léger. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a vraiment un mouvement, et c'est retrouver le mouvement, je parlais de flow tout à l'heure. Quand on est en mode survie, en fait, on essaye d'éviter les embûches, c'est comme si on était dans une rivière et qu'on se cogne dans le fond de la rivière en permanence, on est ballotté par le courant, et on essaye de résister tant bien que mal. Quand on est en mode envie... on a la conscience d'être l'eau, on a la conscience d'être chaque gouttelette de la rivière, et on ne se sépare plus. On se sent plus séparé à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que c'est fluide, il y a vraiment cette notion de fluidité. Le mode survie, c'est quand on fait les choses par peur, par manque de sécurité, par certitude, parce que quelque part, on s'est figé dans une position. L'envie, On est dans un flux, on ne sait pas forcément où on va. En fait, on tutoie constamment l'inconnu. Mais on y va avec une joie alors plus ou moins sereine. Mais en tout cas, on accepte de lâcher prise et de se laisser porter. Donc, d'arrêter de contrôler. Et donc, d'être à contre-rôle ou à contre-courant, quelque part. Je ne sais pas si c'est assez clair. C'est très clair. Dans ce livre, tu parles de la langue des oiseaux. Et tu expliques que les mots ont une vibration bien spécifique à eux. Peut-être tu peux parler de quelques-uns de ces mots, et peut-être tu peux parler de l'envie, de la vibration du mot envie dans la langue des oiseaux. Ah oui. Alors comme vous avez échangé tout à l'heure, effectivement, l'impact d'un discours peut induire complètement l'envie ou pas du tout l'envie. Alors déjà, qu'est-ce que la langue des oiseaux ? Alors la langue des oiseaux, c'est appelé comme cela, en fait, c'est une façon d'écouter les mots au niveau de leur vibration. C'est-à-dire qu'un mot, je le disais tout à l'heure, peut vibrer de façon positive, négative, et on appréhende un mot en fonction de son propre tunnel de réalité. C'est-à-dire qu'on peut écouter, on peut entendre un mot, et puis tout d'un coup, on a un déclic, et on l'entend d'une autre façon. Là, tout à l'heure, je parlais de l'envie. L'envie, c'est en et plus loin vie, ou l'envie en un seul mot.
D'autres exemples de mots, par exemple ? Oui, bah, alors après, où on joue, alors, quand on écoute en langue des oiseaux, on joue avec les, soit en anagramme, par exemple, dans la symbolique Marie, la mère universelle, etc. Bah, je crois qu'on a une Marie dans la salle. Oui, c'est l'anagramme d'aimer. c'est peut-être pas tout à fait un hasard. Dans les prénoms, etc., on retrouve aussi, dans le sens d'un prénom, ça va porter sur chaque lettre. Alors, on peut décoder lettre à lettre, et chaque lettre, en fait, est une partie de lettre. Et quand on est nommé, donc on a une identité, et ben, chaque lettre va avoir un impact sur notre façon d'être. Ça ne veut pas dire qu'il y a des programmations, mais il va y avoir plein de choses qui sont portées dessus, donc au niveau vibratoire, bien sûr au niveau transgénérationnel, parce qu'on ne porte jamais un prénom tout à fait par hasard. On y met beaucoup d'affect, en tout cas les parents souvent y mettent quelque chose dedans. Donc c'est cette façon-là d'écouter. Donc oui, tout à l'heure je parlais de comparaison, effectivement on peut jouer avec le mot et dire c'est de comparaison, mais la maladie, le maladire, y a plein de choses qui sont connues dans ce sens-là. Après sur l'envie, moi j'aime bien définir l'envie. Qu'est-ce que ça veut dire l'envie ? C'est être, je le décode lettre à lettre, E-N-V-I-E, c'est être naturellement et vibratoirement inspiré par l'être, c'est-à-dire l'être ou l'essentiel. Quand on est pleinement dans l'envie, quelque part on est complètement en lien avec en fait finalement ce qui est essentiel. Les besoins essentiels. Et les besoins essentiels, ils sont assez simples. On a besoin évidemment d'amour, de beauté, d'harmonie. On a besoin de partage, d'échange, de solidarité. C'est toutes les grandes valeurs de l'être humain. Avec un grand H. Et comment on met tout ça en musique pour que tout cela puisse vibrer en harmonie. Et effectivement, dans nos vies quotidiennes, c'est assez difficile de pouvoir naviguer dans toutes ces valeurs parce qu'on peut effectivement, comme tout à chacun, avoir des grands principes et dire on est tous solidaires. Ça ne tient pas forcément très très longtemps. C'est-à-dire qu'après, dans le geste du quotidien, je peux prêcher la bonne parole en expliquant ce que c'est que la compassion. Je vais prendre un exemple tout bête par rapport à ça. Lors d'un voyage en Inde, il y avait une personne assez connue qui faisait ce qu'on appelle des satsangs, donc des échanges. Sur la sagesse, en tout cas les différentes sagesses initiatiques, et qui faisait donc tout un discours sur la non-identification, le fait de ce que fait l'ego en permanence, c'est-à-dire j'ai besoin de m'identifier pour savoir qui je suis. Et ça, c'est le but aussi quand on est jeune adulte, je veux être quelqu'un, et puis à un moment on lâche ça parce qu'on n'a plus besoin de prouver, etc. Et donc, il expliquait à quel point on était constamment dans cette identification. Et puis, juste après le séminaire, son séminaire, nous, on était dans le même hôtel. Et donc, on le voit arriver. Et c'était un jour assez particulier dans l'endroit où on était, où il y avait énormément de monde. Et donc, il arrive à l'hôtel et il dit « Oui, je suis... j'ai réservé une chambre et donc on est en Inde, donc c'est un peu compliqué, souvent les systèmes de réservation, pas de chambre, donc impossible parce qu'il n'y avait plus aucune chambre nulle part. Et donc il arrive et il dit mais est-ce que vous savez qui je suis ? Et donc là, c'est entre le discours conceptuel et ce qui se passe véritablement, comment on a intégré véritablement ces valeurs-là. Y a une grande différence. Mais ça fait partie du chemin aussi. Et souvent aussi, quand on parle d'un certain nombre de sujets, ça, je pense que vous l'avez tous découvert, quand on s'empoigne avec un sujet quel qu'il soit, on en parle beaucoup parce qu'on se le fait vivre, on se l'expérimente, et jusqu'à ce que ça devienne finalement un non-sujet, parce qu'on a passé ce cap-là et que ça s'est réglé. Alors je reviens quand même sur l'enfer de l'identique, cette comparaison, cette jalousie, regarder l'autre d'un mauvais œil parce qu'il a des qualités qu'on n'a pas. Et je pense aux jeunes générations et je pense à l'hyperconnectivité. Est-ce que tu as un mot ? Est-ce que tu as un sentiment une... J'allais dire, là encore, on retrouve la dualité. Alors, outre tout ce qui s'est passé ces deux dernières années, qui ont fait que quelque part on s'est beaucoup plus connecté et en même temps ça nous a donné l'envie de nous déconnecter complètement. Il y a eu ces deux mouvements parallèlement. Certains ont repris les habitudes d'avant automatiques, de revenir dans une perception gérée par l'ego et où on est en automatique, et d'autres ont vraiment conscientisé
en fait, peut-être la perte de temps, etc., que ça générait. Et après, sur les jeunes générations, beaucoup sont aussi le fruit, j'allais dire, de l'éducation qu'ils reçoivent. C'est-à-dire, beaucoup sont élevés quand même avec les écrans, sans devenir non plus d'interdire les écrans, il ne faut pas, c'est mal. Ça fait partie de la vie, mais c'est peut-être les utiliser intelligemment. Et il y a, en fait, cette jeune génération, mais comme celle d'avant, quelque part, ils sont juste... j'ai un peu du mal à utiliser le mot victime, mais quelque part, c'est un peu ça. Dans le sens où c'est toute une vie virtuelle et ça nous confronte, ça les confronte à quoi ? Au vide qu'ils ressentent intérieurement. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir plein d'échanges, mais concrètement, est-ce que tu as des vrais amis, quoi ? Concrètement, est-ce que tu partages, partager une expérience virtuellement, on le sait bien, ça n'a pas le goût de la présence, le fait de goûter, savourer avec tous nos sens la vie, ça n'a rien à voir. Donc pour les jeunes générations, enfin, en tout cas, cette hyper-connectivité, ils sont victimes aussi de cette société qui nous dit de quoi on a besoin, quels sont nos désirs. Juste avant de venir, je voyais une pub dans Metro, j'étais scotchée. Il y avait deux images parallèles. Alors, il y avait d'un côté une boîte de préservatifs et de l'autre côté, la glace Häagen-Dazs. Et le slogan, c'était, quels que soient vos désirs, vous êtes livrés en 10 minutes. Super. Est-ce que je peux avoir d'autres désirs que cela ? C'est-à-dire, basé sur justement les pulsions, et l'être humain se résume pas. C'est nous infantiliser, alors que ce soit les jeunes générations, mais même celles les plus vieilles. En permanence, on nous infantilise en nous disant quels sont nos besoins, quels sont nos désirs. Et on ne nous laisse plus la place, justement, parce que les écrans occupent tellement de place, que ce soit par les séries, etc. Il n'y a plus de place à la réflexion intérieure. Il n'y a plus de place à faire un peu silence. Il n'y a plus assez de place pour aller se connecter à la nature, retrouver son propre rythme. Et pour trouver son propre rythme, eh bien, à un moment, il faut accepter de se poser un peu et arrêter d'imposer, juste se poser. Alors, je reviens à ce livre sur les passeurs d'âme et en rapport aux nombreux changements de vie, de carrière liés à la pandémie. Comment l'explique-t-on ? Comment toi, tu l'expliques par rapport à cette définition de passeur d'âme comment tu la comprends ? Alors, le lien, effectivement, n'est pas évident. En tout cas, ce qui s'est passé là, pendant la pandémie, en tout cas, ça a permis... Déjà, qu'est-ce qu'un passeur d'âme pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Le terme passeur d'âme, pour beaucoup, alors, ça peut être lié complètement, j'allais dire, au côté ésotérique, you-you. Ce qui n'est pas forcément le cas, en tout cas... Toi, tu es passeur d'âme. Je pourrais qualifier, alors est-ce que je suis que ça ? Je ne suis pas sûre non plus. Mais en tout cas, il y a beaucoup de critères qui font qu'effectivement, dans ma façon d'être, je joue ce rôle de pont entre les deux, c'est-à-dire entre... Alors, dit d'une façon un peu plus poétique, ça serait être entre ciel et terre, c'est-à-dire faire le lien entre ce qui se passe dans la matière et ce qui se passe plus au niveau de l'esprit. Et le pont, c'est au niveau, j'allais dire, du cœur, même si ça paraît un peu youyou, un peu gnangnan. Mais néanmoins, qu'est-ce qui se passe véritablement, j'allais dire, immatériellement, dans une entreprise pour que ça bouge ? Si ça passe pas par là, il se passe pas grand-chose. S'il n'y a pas de sens, effectivement, et si on ne fait pas ensemble, il se passe pas grand-chose. Et c'est tout le lien, justement, avec l'envie, où ça va être éphémère. Et un passeur d'âme, c'est traduit dans le langage de l'entreprise, c'est un super chef de projet. C'est-à-dire que c'est cette capacité, en fait, à arriver à faire le lien entre des personnes qui n'ont pas forcément de lien entre elles, déjà, qui sont souvent sur des expertises ou en tout cas des domaines très différents. Et c'est cette faculté, en fait, à mettre ensemble, à mettre en corrélation ces différents espaces, chacun dans sa réalité, pour les faire danser ensemble, d'une certaine façon. Et évidemment, dans le but de créer quelque chose ensemble, un projet, quel qu'il soit, bien évidemment, qui ait du sens, si possible. Donc le lien, sur les passeurs d'âme, qu'on retrouve dans plein d'endroits, beaucoup assimilent ça souvent au profil de multipotentiel, qui est très, très à la mode en ce moment. Alors, il faut tous qu'on soit des hyper créatifs, qu'on ne pense pas comme tout le monde, etc. Là aussi, il y a le risque, encore une fois, de l'identification. Le passeur d'âme, justement, a pas mal de ces caractéristiques-là. Pas que,
Hein, c'est pas que, il se définit pas que par le fait d'être multipotentiel, mais c'est cette capacité en fait à aller chercher, à aller encenser la vie partout où elle est et rappeler à quel point elle est précieuse à chaque endroit où elle se trouve, alors que ce soit voilà dans la vie quotidienne, mais en entreprise, mais ça peut être aussi au niveau organisationnel. Et dans les valeurs du passeur d'âme, ce qu'on retrouve, eh bien évidemment, c'est toutes les valeurs aussi de l'intelligence collective qui aujourd'hui, heureusement, en tant que modèle, commence à, j'allais dire, à pénétrer tout doucement. Les organisations, les façons de manager, en tout cas dans la façon de communiquer aussi ensemble pour avancer voilà, comme un et pas dans un communisme ou communitarisme, mais vraiment voilà, garder la préciosité de l'individu de chacun tout en mettant cette individualité au service de l'ensemble et que chacun puisse prendre conscience en fait, qu'il fait vraiment partie de ce tout. Et que son identité ne s'efface pas, mais que, bah, ensemble, évidemment, on peut servir beaucoup plus large. Et donc, il y a tous les enjeux qu'on a aujourd'hui, évidemment, au niveau sociologique et écologique, surtout. Voilà, le lien, il est là, en fait. Et donc, j'expliquais dans le livre des passeurs d'âme, justement, tout l'enjeu, grâce à cette crise qu'on a pu vivre tous ensemble, qu'il était temps, en fait, voilà, de sortir aussi ces capacités de reliance et de chef de projet, surtout dans les projets de vie, pour aider le maximum de personnes aussi à avoir le courage déjà d'exprimer ses propres besoins, sa vulnérabilité et de ne pas avoir honte en fait, de dire bah oui, j'ai d'autres aspirations qu'effectivement vendre des stylos ou je ne sais pas, autre chose, et j'ai le droit. Merci beaucoup Valérie. Avec plaisir, j'espère que j'étais claire. Oui, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on attend les questions de la salle? Oui, j'ai un petit truc à rajouter, enfin, en fait, qui me vient là aussi, mais j'allais dire, c'est lié à l'envie, et l'envie, pour moi, c'est aussi accepter à nouveau de s'autoriser à souhaiter des choses. Une envie, c'est d'abord poser quelque chose qui nous ouvre intérieurement, et c'est de prendre conscience. On parlait des mots tout à l'heure hein, dans la vibration. C'est voilà, le verbe s'est fait chair hein, et le principe du verbe est créateur. Alors, on le voit sur une méthode Coué hein, où on peut répéter comme un mantra quelque chose, mais on peut le faire sur d'autres octaves beaucoup plus élevées. Et c'est déjà d'accepter de retourner dans nos qualités d'émerveillement. On en parlait tout à l'heure, effectivement, quand on est confronté à la mort, là, on l'a été de façon collective, parce qu'il y a eu un effroi, quand même, toutes ces phases de sidération. Enfin, je ne vais pas revenir voilà, sur, au niveau sociologique, ce qui s'est passé. Mais de reprendre conscience à quel point la vie est précieuse et accepter de ne pas être de faire semblant, en fait, qu'on a tout le temps, mais qu'à chaque seconde, bah, c'est une grâce, comme une goutte de grâce qui est là. Et c'est reprendre aussi voilà, cette conscience que chaque seconde est sacrée. Tout dépend de la posture qu'on a dans la façon de la regarder. Et si c'est sacré, ça veut dire qu'on a cette capacité à créer. Et donc, ça présuppose quoi ? Bah, ça nous demande de grandir dans le sens où c'est d'accepter aussi véritablement de prendre ses responsabilités. Responsabilité au sens d'agir, être acteur, et pas dans le sens où qu'on entend souvent, c'est-à-dire on ne veut pas prendre ses responsabilités parce qu'il y a... C'est souvent lié à de la culpabilité, c'est-à-dire qu'on va avoir une charge, que ça va être écrasant. Non, prendre ses responsabilités, ça veut dire aussi avoir cette capacité de faire des choix et de les assumer jusqu'au bout, tout en sachant qu'on peut se tromper, mais c'est d'y aller quand même. Donc, cette fameuse phrase aussi, hein, c'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même. Quoi de plus beau que cette aventure, et c'est de prendre conscience qu'on vit, on vit une époque formidable, et la vie, c'est quand même une aventure de dingue. Donc on est, enfin je le dis souvent, mais on n'est pas venu là pour s'enquiquiner. On est venu là pour expérimenter. Qu'est-ce qu'on risque ? Bah de mourir, bah c'est pas un scoop. Donc vivons. Merci Valérie. Est-ce que vous avez des questions pour Valérie ? Merci Valérie de ton témoignage très inspirant. Moi j'avais une question sur donc tu es formatrice en conscience intégrale. Qu'est-ce que c'est finalement la conscience intégrale ? Alors. Ça s'apparente à la pleine conscience. Après, c'est plus lié à un mouvement. Alors déjà, j'avais envie de le prendre, j'avais dit, avec humour, dans le sens où il faut bien poser des mots. Je me suis dit, ouais, en termes de marketing, ça peut être bien. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. C'est plus... Alors, ça fait référence, en fait,
à Sri Aurobindo, en fait, et la mer, donc, qui sont notamment, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de la ville d'Auroville en Inde. Et donc, c'est un courant, et Sri Aurobindo a beaucoup travaillé au niveau de la pensée et du yoga intégral. Et donc, c'est comment aujourd'hui, dans la conscience collective, on est en train tous de passer un cap. C'est-à-dire que ben, là, au niveau de la conscience collective, on est en train de passer, j'allais dire, du plexus, hein, voilà, sur tout ce qu'on connaît depuis voilà, plus qu'un millénaire, sur voilà, tout ce qui était fondé sur la domination, etc. On est en train de passer au niveau du cœur. Donc, c'est ce qu'on appelle la porte du cœur. Et c'est là où on commence à se hisser au niveau de l'humain. Et à partir de là, et donc tout le travail de cette conscience intégrale, c'est comment j'agis à partir de là. Donc, c'est comment j'agis dans ce courant intégral, déjà d'être en pleine conscience, effectivement, ça en fait partie. Comment je ne fais pas l'économie de faire un véritable travail sur moi, c'est-à-dire de comprendre comment je fonctionne. Précepte de base hein, qu'on a, que ce soit dans la sagesse hermétique, enfin peu importe la science initiatique, la base, c'est-à-dire que comment je peux prétendre être en échange avec les autres et passer juste ma vie à être définie parce que l'autre me met en miroir. C'est un fait, mais il y a un moment où je dois faire aussi l'effort de comprendre quels sont mes mécanismes, d'arrêter d'attendre que les autres reconnaissent mes besoins. Il faut que je commence par moi-même. Et c'est à partir de là que je peux reprendre le driver pour savoir ce que je veux, avant de savoir juste me contenter d'être un éternel adolescent en disant ça, je veux pas, ça me plaît pas. Enfin, là, voilà, c'est l'ego. Donc, conscience intégrale, ça part à partir du moment où on a déjà cette habitude, j'allais dire, de se sortir de cette perception égotique, on s'est détaché de la personnalité de surface pour être un petit peu plus en arrière. Alors moi, ce que j'appelle l'âme, ce qui est appelé aussi l'être psychique, c'est-à-dire ne plus tomber dans les automatismes de l'ego. Est-ce que c'est plus clair ? Et donc ça demande effectivement beaucoup de travail sur soi, et c'est une reconnexion à ses aspirations, et tout en enlevant un maximum de filtres. Oui, voilà, être conscient, mais sans non plus que ça devienne une obsession, hein, c'est-à-dire que ça soit ni une obsession spirituelle, ni une obsession en développement personnel, parce que... souvent il y en a qui font que du développement perso ou que du développement spirituel, c'est-à-dire perso c'est pas beau, l'argent, tout ça, enfin tout c'est laid, c'est... non, ça fait partie de la vie, c'est de la matière, c'est une énergie qui permet aussi de justement de favoriser le progrès, enfin il y a plein de choses, donc c'est pas exclure, c'est arrêter d'exclure, et là on part à partir du principe du cœur, c'est-à-dire j'embrasse les contraires, hein. J'accepte pleinement en fait cette dualité. Donc j'arrête de m'opposer, d'aller contre ou d'être pour. J'arrête le combat, en fait. J'arrête de me battre. Et quand on dit je me bats, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je me bats contre moi-même. Donc c'est de lâcher le combat pour aller vraiment dans OK, j'accepte ce que la vie me propose. À chaque instant, une situation, ça m'amène quelque chose. C'est jamais un hasard. Enfin, c'est voilà, qu'est-ce que ça dit de moi ? Tous les petits instants du quotidien nous permettent déjà de grandir. C'est faire un travail sur soi, ça ne veut pas dire aller voir forcément un psy ou un gourou, un thérapeute, un chaman. Enfin, voilà, c'est pas obligé de passer par par tout ce qui peut être enfermant. L'être aimé, nos enfants. Enfin, ce sont nos maîtres. C'est la vie qui s'incarne et qui est personnifié et qui nous propose d'émettre dans toutes les personnes qui nous entourent, connues ou inconnues. Question très brève et curieuse. J'espère. Alors, je suis peut-être le seul à me poser la question. Non. Alors, ce n'est pas du tout un nom de scène parce que souvent, on me dit « Oh, quand même, j'espère ». Alors, franchement, si j'avais dû prendre un pseudonyme ou quelque chose comme ça, j'aurais peut-être pas choisi « J'espère » parce que... alors ça, ce n'est que ma vérité aussi, mais je ne suis pas sûre que l'espoir... Enfin, au niveau philosophique, je pense qu'à un moment, l'espoir empêche l'action. Et c'est bien dommage parce qu'on reste dans le domaine du rêve. J'espère en tant que telle, donc c'est bien mon nom de famille. Donc comme ça ne se voit pas, c'est d'origine alsacienne. Et donc j'ai la chance d'être un mélange entre l'Alsace et la Kabylie. Ce qui m'a permis d'apprendre déjà dès mon plus jeune âge à apprécier les opposés. Alors déjà au niveau physique, c'est-à-dire que j'ai été nourrie au couscous et à la choucroute. Et ça permet déjà à l'organisme hein, déjà d'avoir une capacité d'absorption assez importante. Après, sur le nom j'espère, en fait, ça vient,
Ça vient au niveau généalogique, enfin en tout cas et au niveau de du nom de famille, parce que j'ai fait faire la recherche, parce que je me suis dit quand même c'est pas commun avec l'apostrophe en plus. Alors du fond, ça vient de Gaspard, donc au niveau des rois mages, et ça a été transformé pas mal de fois tout au long des siècles. On trouve beaucoup de Jasper, donc beaucoup en Suède, enfin en tout cas dans les pays nordiques. Et le nom a été transformé jusque pendant la Deuxième Guerre mondiale, où, voilà, étant alsacien, mon grand-père en fait a dû avoir un passeport allemand, et donc ils ont traduit littéralement le nom Jasper en Ich hoffe, qui veut dire j'espère aussi. Et apparemment, l'apostrophe a son importance dans ce nom-là. En tout cas, pour moi, dans mon chemin de vie, parce que si je décode le nom j'espère, il n'y a plus le J-E, je, moi, dans mon incarnation. Il y a cette apostrophe, c'est-à-dire le J, c'est un I, donc le I de l'incarnation ou de l'inspiration, enfin peu importe. Et le J, c'est ce I qui a accepté de descendre sur Terre et qui est venu se planter. Donc ça fait un J. C'est avec un petit hameçon, c'est un I avec un petit hameçon, c'est-à-dire j'ai accepté de prendre place dans la Terre, de m'incarner, hein, j'essaye pas de me barrer toutes les 5 minutes, je voudrais être ailleurs, non, j'accepte la vie telle qu'elle est, et donc plus loin, épère, hein, donc ça faisait partie de mes programmations, et donc tout ce qui est après, j'allais dire d'un niveau plus psychologique, le lire au père, bien évidemment, et comment, après moi, dans ma façon d'être, tout ce qui a trait aussi à la fonction, alors pas que paternelle, hein, parce qu'il y a le Père à plein de niveaux différents, hein, jusqu'à Dieu le Père, qui est juste une figure, parce que est-ce que c'est le Dieu est masculin, féminin, c'est encore un vrai débat. Mais c'est comment travailler en fait cette énergie, j'allais dire, du Père et du masculin dans le côté bienveillant. Comment je peux être accompagnant? Il n'y a pas eu de hasard, il y a eu un moment, hein, j'ai fait plein de métiers différents, en tout cas la vie m'a proposé plein de choses différentes, et je suis passée par ce côté père, coach, le côté plus mère, j'allais dire en tant que thérapeute, et aujourd'hui, ce j'espère m'a amenée au côté plus facilitateur, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre, où l'un n'empêche pas l'autre, mais cette position de facilitateur en intelligence collective, justement, il permet juste d'être garant des processus, et de permettre, et d'assurer une structure et un cadre pour amener alors le groupe, à son propre résultat et à sa propre réalité. Bon, en aucun cas agir dessus ou donner des conseils. Il n'y a plus la notion de conseil, mais être là pour questionner intérieurement. J'ai fait une grosse digression. Merci Valérie, un grand merci à toi. Merci beaucoup. Je te remercie de ta présence.